On va pas voir du côté de la lumière, ça sert à rien. Alors, ils viennent du même côté. Donc on va rester avec cette formation. On va juste mettre le magot en haut. Et l'archer en support entre les deux, comme on fait d'habitude. Quoique, l'archer, non, va carrément être en support direct, là. Et le guerrier va se débrouiller tout seul. On a la catapulte. Tiens, on n'a même pas utilisé la deuxième charge. Qu'est-ce qu'on pourrait construire? On peut en construire une autre, hein. Mais on peut mettre des balistes aussi. Alors, je crois qu'au début, il faut qu'on continue à se faire une défense. Qui va pas forcément fondre. C'est quoi ça? Ah, ah oui, ok. Voilà, là on a une bonne défense au sud. On sait que ça tiendra tout le temps. Même avec un perso, voire même zéro. Juste en mettant l'archer dans l'angle là, on peut se battre ici et couvrir ce qui arrive ici. Là c'est bon. Quoique on a des barricades. Ouais, mais ils sont vachement plus proches. On va prendre de risques. Enfin, je vois pas ce qui peut le tomber, hein, vu l'absorption. Mais on se méfie. Alors, le marteau et la dague. La dague, on a un effet de poison de 35 pendant 2 tours. Multi-coup 3. C'est pas un gros poison, mais tu peux l'envoyer 3 fois sur la même cible en vrai, hein, et lui mettre 100, 105 de dégâts de poison derrière. Ça peut le faire. Alors, 7 points, on a une barricade qu'on peut rajouter. On va le mettre ici. Voilà. Et c'est parti. Nord-est, sud-est. C'est déjà les murs, c'est pas cool. Alors, ouais, on risque de l'utiliser souvent, ça par contre, il va lui falloir faire attention avec la mana. Commençons par un truc empoisonné, justement. Ah oui, non, la dague, c'est ça la puissance. Parce que le jet de dague, il fait 100 de dégâts. Parce qu'on a augmenté les dégâts du gars de manière exponentielle. Qu'on a une bonne dague. Non, on a une dague de base. Et on fait 100 de dégâts avec. Mais en plus, on empoisonne derrière. Donc déjà, le 100 de dégâts suffit à tuer ces mobs, hein, par exemple. Ils ont 80 points de vie, hein. Donc peut-être qu'il faut pas faire ça, juste tuer trois autres qui ont plus de points de vie et les choper simplement. Normalement. Ok. Il faut qu'on reste au contact de ces méchants pour pas qu'ils aillent trop loin. Genre lui là et lui là-bas. Par exemple, là, on sait qu'il va taper, lui aussi va taper, hein, donc je peux me mettre là, par exemple. Lui va taper aussi, on va se décaler là. Et ici, bon, ici on va tout nettoyer assez rapidement. On achève, on tue. Même un petit peu overkill d'avoir utilisé autant de multishots. Hein. On va se mettre là-bas. On va faire deux tirs. Oh, on l'a pas one shot. On a un bonus d'isolé pourtant. Ah, mais il est peut-être pas isolé parce qu'il y a des copains derrière. Je l'avais déjà fait ça comme remarque. Il y a plein de points d'action. Ok. Avant de partir, je peux lui en donner une. Non. Je vais essayer de traverser pour aller tirer de ce côté. Évidemment, on a le tir là, mais j'ai pas envie de vraiment utiliser un tir comme ça. 3 points d'action, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut me donner de l'esquive? Non, on peut pas prendre de l'esquive, on peut pas en donner là-bas. Ok, de l'armure. Et c'est tout.
Ok, on a bien fait parce qu'il n'y a pas tellement d'ennemis là. On va se refaire un multi-shot, ça devrait suffire. Oups. On est à combien? 26. Le total c'est 32, on a dépensé que 6 et on régène de 12. Donc 26 plus 12, 38, on peut dépenser 6, ouais, bon bah allez. Hein. Un petit peu violent. L'inconvénient c'est de garder une mauvaise arme par exemple trop longtemps et qu'après que ça soit plus aussi efficace que ce qu'on voit là. Hein. Et lui va pas pouvoir avancer, c'est bon. L'archer là, ben, va pouvoir se mettre tranquille ici, hein, je pense. Mais si on bouge pas, c'est mieux pour les tirs sensibles. Ok, alors on va essayer de jouer le guerrier un petit peu. On avance, on tue l'isolé. Un gros bonus de dégâts dessus. Ensuite, on pourrait essayer de tuer lui pour isoler l'autre, mais je sais pas lequel des deux j'ai la vision dessus. Par exemple, là, je sais pas si je peux lui tirer dessus, je crois que oui. Hein. Et lui, probablement pas à cause de ça. Hop. Oh, il me faut des coups, dommage. Peut-être utiliser le marteau la prochaine fois quand je suis dans un cas comme ça. Ok, on n'a pas la ligne de vue. On va se déplacer là. On va faire une désintégration. Oh, je peux pas. Hop, on revient là. Et on va faire un tir glacial dans le tas là. Pas de ligne de vue. Oh. Je vais m'en dire, attends. Ouais, c'est peut-être mieux. On a les deux gros qui sont stun. On avance, il va falloir lancer des projectiles empoisonnés qui ont tué tout le monde. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir les taquiner eux. Lui, il est isolé. Et on va aller le coller lui, en espérant que passer entre ça et ça, ça l'empêche de passer. Mais je suis pas sûr. Il ne reste plus d'action. Oh, tu vas trop loin, gamin. 0-0-4. Donc là, vous voyez, on a pris les coups. Hein. Il n'y a pas eu d'esquive, rien. C'est juste qu'il tape à 20-25. Et on réduit de batou. On réduit 27. Du coup, ils peuvent même pas doubler les dégâts contre l'armure derrière. Il y en a un qui fait moins 40% de dégâts. Donc, ouais. Okay. Alors lui, il va causer de la panique si jamais il reste là. S'en débarrasser. On va continuer à nettoyer les chauves-souris qui se pointent ici. Un rôle de l'archer, parfait. Et des unités un peu trop rapides qui se baladent au milieu de nos troupes. Lui est isolé, ça fait un one-shot, c'est quand même cool. Et là... Ah, c'est un peu cher payé pour un... ça, mais c'est pas grave. On va revenir juste là pour donner de l'esquive à elle. Je pense que je vais pas la bouger. On va regarder quand même son armure. 10 d'armure, 4 de garde. Avec le boubou, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a deux coups sur les squelettes, ça les tue. 22, on avait dit combien? 32, ah bah 2 de plus, pas parfait. Ok, on était trop près de toute façon pour tirer sur cela, on va se décaler. Il nous reste un point d'action, du coup j'ai pas tué elle. Elle va venir taper sur la barricade.
et eux aussi. Je peux me mettre là. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien protéger la barricade, mais en vrai, est-ce que c'est grave, docteur? J'ai pas envie de me prendre de coups. Parce qu'il tape à combien? Il tape à 26-32 quand même, hein. 16-19. Donc je vais réduire de 4 et je vais prendre un paxon de points de vie, hein. Non, on va aller laisser tout seul, hein, ces gens-là. Ah, j'ai 40% d'esquive. Ouais, je peux faire ça, allez. Ah, j'avais pas pensé aux 40% d'esquive. Ouais, en même temps, c'est pas 100%. Hein. Alors, il me reste combien, là? Tout. J'ai le marteau. On va faire un coup de marteau, ici. Voilà. Et là, on va juste... découper les gens. Louper. J'ai pris la dague qui était moins imprécise que l'autre, mais en vrai, je crois que ma précision est la même. Alors, c'est marqué où mes chances de toucher? Alors, dégâts 86-99, isolé 100%, résistance 5-6, moins 5-6, d'accord, 3%, dégâts finaux, effet isolé. Mais là, il me met 100% de toucher ou... c'est pas clair. Là, il est isolé. Là, il ne l'est pas, et j'ai plus de... lui est stun, donc elle peut lui à garder, bah, c'est bon. Là, on a plus de points, et là-bas, on a tout dépensé. Là, on a pris un peu, mais... bon, on a rien pris du tout. Ok, on a pris un peu de points de vie, 117, 127, on va pile régénérer 10, donc c'est nickel. On va se calmer sur la mana. On va même se mettre à l'abri, juste tuer les gars qui rentrent dans la ville. Hors de portée. Non, c'est dommage. C'est dommage aussi qu'on les one-shot pas, hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas lui tirer dessus. Parce que si je me décale à droite ou à gauche, j'ai plus de vision. Et si je me recule pas assez. Il faut que je me recule de 2. Si je m'avance pas là, lui, pareil, je pourrais pas l'avoir. Et je vais avoir du mal à tuer tout le monde, là. Donc, idéalement, faudrait réussir à faire un tir. Savant là-bas. De là, on peut tirer. Ici. Mettons que je fasse ça. Pour éviter de me prendre la flèche. Est-ce que je peux tirer là? Je peux pas tirer là. Pour faire ça. Pour qu'il touche les deux. Ok, ah dommage, il l'a pas tué. Ok, c'est un petit peu embêtant, du coup je vais devoir utiliser de la mana du guerrier, tant pis. Pour tuer les trois là. Lui est stun. Les autres... Je vais refaire ça. On va se fiche des chauves-souris. On va faire squelette. Ils sont morts. Ils sont morts. Il y a que ça qui va taper, on s'en fiche. Les trois là. On peut pas gérer. Ah, la désintégration. Oui, non, c'est encore pire. Si, je pourrais m'avancer de 2 et lui mettre un coup de poing. Et le coup de poing, on fait 40-50. Faudrait lui en mettre 2. Ok, c'est jouable. On peut faire ça. Du coup, on peut taquiner un peu ça. Vu qu'on a plein de points d'action, pour une fois, ça va pas être perdu. J'aurais pu aussi tirer sur elle en m'avançant là. Voilà, j'espérais le coup critique, mais je suis content qu'on ait suffisamment de points d'action déjà pour faire ça. Et là, plus de points d'action, plus de points d'action, ils vont rentrer dans la ville. C'est qui a deux points d'action? C'est toi là-bas?
Non. Non, mais c'est le guerrier, on n'a pas fini. Bah ouais, mais je vais pas te taper sur un gars qui est déjà mort pour... Bah non, mais toi t'es pas mort. Attends. C'est juste stun. Et on va taper au marteau le suivant. L'armure de Mitri, là, il fait déjà tanky, hein, rien que là. Rien qu'en regardant l'image, tu sais qu'il encaisse comme un mulet. Bravo le loupé. On touche. Alors, on y va à la dague? Non, on y va... Non, on s'en fout. 5 attaques à la dague. C'est d'ailleurs, comparons vite fait la dague là. 83, 93, 96 et le marteau on fait ouais, 100 et des boîtes. 133, 153. On a 5% d'esquive de base au mob et en le frappant on lui monte à 12. Et là, c'est pareil. Sauf que là, on le tue pas en un coup. Avec le marteau, on le tue en un coup. Donc, oui. Ouais, et on loupe, évidemment. ça c'est fait. Alors, là-haut, comment ça se passe? On doit tuer tous ceux qui rentrent dans la cité. On veut pas dépenser de mana. Donc, ça va être... Ouais, ça va être ça. Comme ça, on isole tout le monde. Isolé. Isolé. Non, on va achever lui. Puis les autres sont pas dans la cité, mais ils vont casser les murs si je les laisse comme ça. Hein. Ah, quel échec. Je vais me faire le misclic de ma vie, hein, parce que là je devais aller là et lui mettre un coup de poing. Bon, ben, on va pouvoir faire autre chose alors. L'idée c'était de tuer ce truc et ensuite d'aider là. Ok, c'est plutôt propre. Et le problème c'est que j'ai trop bougé. Oui, j'y pense jamais à des intégrations qui boostent du mouvement. Ok. Et maintenant je me suis trop éloigné. Mais on va prendre des coups. Mais de l'armure. Qui a 4 points d'action. L'archer. Oui, mais il a 4 points d'action, mais il a pas d'action. Ah, si, je peux faire le tir gelant. Ah là là, c'est moche. Juste pour un, et puis ça l'a même pas gelé. Et on peut pas lui augmenter son esquive. Ah, je vais devoir le refaire parce que. Et on lui a enlevé l'armure, maintenant on le tue. Voilà, ça fera. On assure le coup pour pas recevoir une blessure bête. Tout s'est bien passé, tout le monde est mort, tout le monde passe de level, on surveille l'expérience, 10 sur 821, c'est pas rassurant, Noëlla, il faut lui augmenter. Là, ils ont de l'avance de 200 et de 300, mais elle, elle est pile dans le level. Vous voyez le truc? Ce qui voudrait dire qu'elle peut très bien rater un level à la prochaine mission. Se déplacer. Ils attaquent enfin de l'autre côté. Bon. Alors, j'aimerais bien qu'ils me débarrassent assez rapidement des murs de pierre, en vrai. Hein. Au début, on trouve ça fort, mais en vrai, à la fin, les murs de pierre, c'est plutôt une gêne à cause de la visibilité. Alors, évidemment, on pourrait en mettre à certains endroits clés pour tanker, mais en attendant, j'ai pas vu d'endroit vraiment sexy. Hein. Alors, fabricant d'armure, qu'est-ce que tu nous fais?
C'est quoi ça? 6 de garde, 7 de dégâts magiques, plus 15 à isoler. Bon, c'est trop puissant pour pas le prendre. Même si on s'en fiche de la garde et de l'isoler, en fait. C'est surtout le dégât magique, et isoler en plus, c'est pas nul. Armure en adamantite. Ben ouais, c'est terriblement fort encore. Hein. Plus 11 à la réduction de résistance, c'est à l'attaque. Hein. Donc ça serait très fort sur l'archer en plus. La réduction ou la... Ou la... Ou même la magicienne, hein, en vrai. Mais le moins 1 de mouvement est pas forcément folichon. Enfin, c'est fort quand même pour tanker, mais on va pas faire tanker nos trucs. On va jouer prudent, nous. On va prendre ça. Et la récompense de la nuit, ça va être un tome d'artillerie qui a plus 1 rebond de propagation pour le Chain Lightning et plus 5% de dégâts de propagation. Alors, je crois qu'on peut pas tomber sur mieux que ça, hein. 3% de dégâts de propagation. Là, non, mais tome des secrets. Oh là là, il est tout pété, hein. Ok, là on a une arme monstrueuse. Monstrueuse avec elle, hein, parce que elle, je vous rappelle qu'elle a déjà augmenté ses dégâts de propagation. Hein. Et là on passe à 93%, c'est-à-dire que quand elle lance son Chain Lightning, là, elle fait 121-187, et pareil, 93% de ses dégâts à 10 personnes. Ce qui serait fort, c'est même avoir une propagation supérieure aux dégâts normaux. Hein. Ok. Ok. Niveau supérieur. Résistance, c'est pas mal. Mouvement, 2 points de mouvement, c'est fort aussi. Dégâts magiques. Ah là, il nous rend fou le jeu. Hein. Parce qu'on est déjà pas mal en dégâts magiques. Mais alors, si on peut en rajouter... 20% de dégâts magiques. Ça serait pas beau, ça? Mais bon, 2 points de mouvement, c'est fort aussi. Hein. On le prend qu'une fois. Mais parce qu'on a fait rare, ça nous fait 2 points d'un coup. Chance d'étourdissement, on peut pas le prendre. Puissance critique, ça pourrait être cool. Quand elle crit, ben, boum. Je sais pas si on peut criter avec les sorts, par contre. Alors, toucher affaiblissant, moins 20 de résistance. Plus 15% de dégâts, moins 15, propagation 5. Ouais. Ah non, mais ça c'est trop fort. Réduction nette ou augmentation si négative appliquée à l'esquive des ennemis ciblés. Non, je crois que je vais prendre la puissance critique. C'est bien hein, pour un tireur, mais. Enfin, pour n'importe quoi, tu me diras. Fiabilité sur les trucs isolés. Saute-mouton, vénéneux, faucheur d'âme. Je crois que je vais prendre faucheur d'âme. Parce que je sens qu'on va en tuer du bordel avec elle. Vu qu'on a un super livre et le perso est pas mal. Plus 7 de dégâts magiques. Ah oh, mais il me met encore le bug talent. Et il y a toujours cette infobulle qui me lâche pas là. Voilà, elle m'a lâché. Donc 6 de garde, isolé. Régène mana, machin. En fait, c'est bien le 6 de garde parce qu'on avait quand même un moins 4 de résist. Hein. Et avec le bouclier, plus 4 de garde, plus 7% de dégâts en plus. J'ai l'impression que ça s'applique aussi à ces dégâts-là. Donc oui, oui, c'est pété. C'est pété. Allez, level up d'un autre. Bah c'est qui? C'est notre combattant de mêlée, il a fait en garde, on va pas le refuser, c'est trop fort. Fiabilité opportuniste, régène mana. On peut prendre la régène mana pour régler le problème. Une fois qu'on l'aura prise, on en aura plus besoin. Voilà, comme ça on est bien. Et on n'en parle plus. 60 d'armure, on a vraiment trop d'armure et d'encaissement pour prendre le truc qui est sous condition. On va juste prendre le réflexe poison. Et donc, on va se sentir forcé de le mettre en plein milieu des bastons tout le temps, hein, vu qu'il a plus 45 de dégâts de poison. Donc là, c'est 20, mais on verra que ça sera plus hein, sur le terrain. Ok. Et enfin, elle. Alors, Noëlla, on a dit qu'il fallait lui augmenter son nombre de régène d'XP. Alors, vie 160. Résistance.
Ça et mana. Eh ben, ça va être mana. Hein. Ou alors je shuffle. Oh, elle a que 21 en mana. Ça lui demande que 1. Et la désintégration, ça lui demande que 1. Mais on pourrait avoir un arc. Ouais, on va lui monter un petit peu sa jauge. C'est pas méchant. Alors, chance d'étourdissement, réduction de résistance, ça c'est bien. Isolé, régène vie, inertie. Ok, tout est ok, mais on va surtout relancer. Dégâts de poison, non. Précision. On aime bien réduire l'esquive, hein. Mais on n'ira pas jusqu'à 50 de notre autre perso, hein. Ça servait à rien. Et on va lui mettre. Bah, on peut déjà lui mettre un niveau 4. Bah, la témérité quand la vie est max. Plus 50% de fiabilité. Et quand elle vise un truc personnel, c'est plus 50% de fiabilité. Du coup, la fiabilité du personnage, qui est de 0 à la base, hein, moins 10 avec l'équipement d'ailleurs, obtient plus 100%. Donc en gros, elle fait toujours dégâts max si le gars est indemne et seul, isolé. Et voire même plus que le max parce que l'isolé lui donne un bonus d'isolé de 50% de dégâts. Donc elle fait dégâts max, qui a 90% de ses dégâts maxi minimum, et elle fait 50% de dégâts en plus. Donc oui, on peut pas rater les gens isolés avec ces deux avec cette combo. Hein. Et l'arc long, hein, bien sûr. Ok, c'est propre. Ce qui, vous voyez, cette optimisation, on l'a découverte, bah, en la jouant, mais en vrai, on peut faire ce genre de truc sur quasiment toutes les armes, je pense. Trouver des bonnes combos pour aller avec quoi. Alors, il va falloir commencer à casser des trucs aussi. Alors, la mine, on a envie toujours de l'exploiter à fond, hein. Parce que c'est 25 PO par péon que j'envoie dedans, quoi. Accroît la production passive. C'est tentant, hein. Alors, on va le faire. On faudra su juste surveiller qu'elle se fasse pas dépasser. Ok, 119. On a 8. On va casser ça. Restera que 2 paysans pour travailler. Et je sais pas ce qu'on va construire. Ah, on va construire le machin qui donne de la pierre. L'atelier là, le camp de pilleur. Si je fais le camp de pilleur, on est bien pour la fin, hein. Enfin pour la suite, parce qu'on va mettre des balistes et tout ça. Même si on va pas pouvoir récolter beaucoup dans un premier temps, après coup, ce sera quand même rentable. J'aurais bien aimé la mettre là, le camp de pilleur. Ce qui voudrait dire détruire au moins ça. Si je fais ça. On a une catapulte qui n'a plus de vision. Si elle a de la vision de ce côté et un petit peu en diagonale. Ah non, elle n'a pas besoin de vision, putain. Et je ne l'ai pas utilisé tout à l'heure, hein. Je l'ai encore oublié. 100, on va pas les dépenser. Il nous reste un ouvrier. Il faut qu'on fasse d'autres maisons. Ce serait vraiment trop cool d'avoir d'autres maisons. Boutique de magie. Non, il faut aussi la voyante. Merde, j'ai complètement zappé. Je voulais faire la voyante pour repousser la brume. Bon, ben tant pis alors. Faisons un autre truc. Faisons le temple ou le puits de mana. Le puits de mana, pour le moment, on arrive à gérer notre mana, donc ça, il n'y a pas de souci. Si on peut éviter, ça serait mieux. Fabricant d'armure, on l'a déjà. Forgeron, machin, on n'en a pas besoin tout de suite. Non, je crois que c'est ça. C'est ça qu'il nous faut. C'est améliorer ça. Il nous reste un ouvrier. Améliorer les matériaux pour 40. Et on va piller une fois. Voilà, comme ça on récupère 35 matériaux et on a 69 pour la boutique. Qu'on devra peut-être upgrade à un moment donné. Alors, pistolet en bois. Alors, pistolet, j'aimerais bien aussi l'avoir de base et l'essayer et de le jouer carrément, tu vois. 10% de puissance critique, 3% de critique. Vous voyez, maintenant, je fais attention aux stats parce que si on peut équiper une arme secondaire et jamais l'utiliser, on peut le faire, hein. Juste pour les bonus. Alors, garde, garde.
Parchemin de coup de tonnerre, ce qui est très fort. Hein. Très très fort. 98-152. Kaboom. C'est un Chain Lightning. On a le bâton de Chain Lightning hein, déjà, mais bon. Potion de force plus 50% de dégâts. Waouh! Sur un Chain Lightning, justement, ça peut one-shot 10 personnes. Hein. Ok. Non, y a rien de fou. Hein. Arc-long en mitril. Ouais. Ouais, il est moins bien que ce qu'on a, je crois. Non, c'est Noëlla. Oh, il fait moins de dégâts et... Il gagne 5 de précision contre 1 de portée de compétence, ce qui est pas fou. Alors après... je me pose une question. Et je pense que j'ai la réponse. Parce que c'est... ça paraît logique. C'est si je prends un deuxième arc long, je peux utiliser deux arcs longs en fait. Ils ont 5 points de compétence chacun, j'imagine. À ce moment-là, j'ai pas besoin d'avoir arc long, arc court, j'ai besoin d'avoir deux arcs longs et puis je reste à longue distance. Et dès que j'ai plus assez de points pour faire les tirs, bah, je change d'arc et puis je fais les mêmes tirs. Avec la même compétence vu que c'est le même arc. Ah, c'est peut-être pas mal en fait. Bon, par contre, je vais probablement pas prendre celui-là. Hein. Après, ça va faire aussi un moins 20 de fiabilité finalement. Mais bon. Franchement, c'est fort. Hein. Ce qui m'embête, c'est que comment on va pouvoir accepter de tirer avec le deuxième arc, ouais, quand on n'a plus de point d'action. Je suis pas sûr. Épée plus 1 à la place de la masse. À la place de... Ouais, moi, on a la dague, déjà. Cela dit, je préférais avoir dague et épée. Hein. Ce serait plus rigolo. Alors, mouvement... Non, je crois qu'on n'achète rien. Allez. Quoique si, on va acheter quand même un des trucs. On va quand même acheter un truc. L'esprit du marchand. Oui, on peut prendre ça. Pourquoi on revend notre matos. Et on va acheter la potion de force, là. Ouais, ça. Et puis pourquoi pas une potion de soin. En gros, on va remplir les espaces de... Mais la potion de force, on va pas l'utiliser pour un guerrier de contact, hein. C'est plus 50% de dégâts. Donc on va l'utiliser sur le mage, bien sûr. Hop. Et le guerrier là, qui va jamais prendre de dégâts, on va pas mettre une potion de soin. Hein. On va le mettre sur l'archer. Au cas où un jour il prend des tirs, ou j'en sais rien. Ou sur le magot, même, en vrai. Parce qu'il doit aller beaucoup plus près avec la petite baguette. Mais bon, maintenant, il a le gros manuel. Hein. Donc on verra. Ok, on a plus d'or. On n'a plus de paysans. On n'a plus rien à faire là-haut. Ok. On a l'arrivée des monstres qui est au sud et à l'ouest. Ok. Vu qu'on a un bon mur là, je vais mettre l'archer sur le côté comme on fait d'habitude. On va mettre... J'ai pas envie de mettre le guerrier là. On va le mettre là-haut le guerrier. J'ai presque envie de mettre le mage là-haut aussi. Pas m'embêter, laisser le mago ici en artillerie et laisser l'archer gérer ce côté. Vous savez quoi, vu qu'ici on sait qu'on va mettre probablement des balistes, je vais prendre une grosse baliste montée et on va l'installer quelque part ici. Alors ici pour qu'elle puisse tirer sur les deux cases. Ce qui est embêtant, c'est qu'elles n'ont pas une grosse portée les balistes. Il faut quand même les mettre à des endroits plus ou moins bien pensés, genre là, pile devant la porte. Mais après, on a du mal à contourner et il y a les lignes de vue en moins. C'est ça qui m'ennuie. L'autre option, c'est de les mettre en intérieur. Quand ça déborde, ils tirent sur ce qui rentre. Non, je crois que... Là c'est pas cool parce que à cause du mur de... Ça serait un mur en bois. Vous imaginez la puissance. Dans l'angle là une baliste avec un vrai mur en bois. Alors on pourrait détruire le mur de pierre. Mais c'est dommage de le gâcher parce qu'il y a souvent des conneries qui viennent par là et qui l'attaquent. Donc c'est quand même un bon truc à garder hein. Sinon je prépare les défenses pour plus tard ici. Ou là-haut. Je peux en mettre une là.
Non, je vais quand même en mettre une ici, tant pis. Voilà, et puis on va faire des défenses normales, le reste. On va finir ça. Là, du coup, pas besoin de faire ça. Quoique, je mettrai les balises derrière, hein. Je peux faire ça. Voilà, on va laisser comme ça. Même mettre une porte, à la limite. Voilà, on est bien. On n'a pas de piège qui coûte 5. On n'a pas de truc. Et puis on va démarrer. Ok. Espérons qu'on n'ait pas été trop vaillant là-bas. Avant qu'il puisse attaquer, il se fait descendre. Ça fait toujours plaisir. Surtout qu'il atteignait le mur cache. Ah, la porte qui se fait tirer dessus. Ok, alors artillerie magique, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Hein. Alors on a 12 points à dépenser, on n'a pas besoin de dépenser au premier tour, hein. On peut y aller cool. Oh, ça fait pas beaucoup. 85-132, on a fait 87. Ah ouais, d'accord. Ok. En fait, je tue avec lui parce que. Hop, on gagne des points. Hein. Putain, il tue quelque chose. Par contre, là, on peut pas les rater, c'est du one shot. Ils ont 80 points de vie, les trucs. Voilà, et c'est 3 âmes directement dans la poche. On a plus d'artillerie. Rien ne nous empêche d'aller derrière ça. Et de commencer à rafaler. Ce qui nous fait plein d'ombre. On va reculer quand même. Et le guerrier, bah, il peut même pas y aller. Si, il peut y aller. Allez. Hop. Double attaque. Évidemment, on peut utiliser la dague, mais j'ai pas envie de dépenser de mana. Y'a pas de raison. Juste blindé. Ah, mais je peux retaper. Parce que je vais hit. Voilà. Alors, en bas, qu'est-ce qu'on a qui reste? Oh, bah, ça va. On devrait pouvoir gérer vu qu'on peut one-shot quasiment tout avec l'isolé, vu qu'ils sont pas collés. Même le squelette archer, 120 dégâts, on fait 195. Salut bonhomme. On n'a rien d'autre à faire ici, on va blinder. Blinder, ça c'est pour les petits points en fin de partie et rien d'autre. Je me demande s'il y a un haut fait qui est de ne pas utiliser du tout de points d'action pendant un tour. Peut-être, hein. Mais ça serait dangereux, mais... Si, à la limite, au premier tour, on pourrait le faire, c'est vrai. Alors, on a de belles lignes, on a du poison pour les squelettes. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est surtout se débarrasser des petits avec la baguette. Ouais, peu importe. Plus 1, plus 2, plus 3. Ah, c'est 1 par personne, alors. Je croyais que c'était différent, les chiffres, mais en fait, j'ai l'impression qu'il additionne les morts. Ok. 4. Ouais, c'est ça, hein. Ou alors, c'est plus on en tue dans le même tour, plus ça a de la valeur. Ce qui serait terrible. Terrible, parce que ça me forcerait à réfléchir pour essayer de faire un maximum de kills avec lui tous les tours et tout. Non, non, ça c'est inacceptable. Bravo, le loupé. C'est pas sérieux. On va rester par là pour bloquer les mobs. Alors, les archers. L'archer. 4 tirs. 1. 2. Désolé. Ouais, on l'a pas eu du coup.
Mande. Plus 3. Ouais. Juste parce que j'ai pas envie qu'il casse mon mur. Parce qu'il atteignait mon mur l'autre, celui qui était devant. Je crois que c'est bon, hein. Ah non, mais il tank presque mieux que le perso qu'on avait au niveau 10 du run précédent. Hein. C'est fou quand même. Enfin non, peut-être j'exagère, mais quand même. Pas de beaucoup. Hein. Je tuerai pas ça. Alors lui, s'il se décale trop, on n'aura pas la distance pour les tuer. Hein. Après, le désintégrateur n'en tire pas plus loin, mais il demande une plus courte... Une plus longue distance de sécu. Ça je m'en doutais. Ok. Il a pris le moins un de mouvement, tout va bien. Notre guerrier qui est bien entouré. Bim, double taquet. Deux fois, taquet simple. Oh joli. Ok, ça va marcher là. Ça passe. Coupé. Je la joue violent parce que c'est pas encore beaucoup de monde ici, hein. Et plus un. C'est pas très clair, hein. Enfin, c'est peut-être très clair, hein. C'est peut-être exactement ce que ça indique, c'est-à-dire là, plus 2, et non pas deuxième fois plus 1, quoi. Ça se trouve, c'est ça. Alors, est-ce que je maudis les ennemis de résistance et de dégâts en moins, histoire qu'ils ne frappent pas trop fort mon guerrier? Non, je m'en fous, hein. Pire, je passe la baguette, puis je les déboîte. Ouais, allez, violence. L'autre a tué. J'ai du crit. Hop, hop, hop. Et ben, fin de tour. Un point d'action restant, un héros ne s'est pas déplacé. C'est toi le point d'action? Ouais, c'est normal. Je vais pas faire un tir de désintégration quand même. Quoique, on a combien? 26, régène 3. Ouais, on est déjà derrière. Non, non. Il a pas tiré sur le petit dommage. Tu abîmes mes murs, mob. Je vais pas être content. Ouais, les archers, on peut pas vraiment les empêcher de nous embêter, hein. Il va falloir se déplacer, j'aime pas ce qu'elles font là, les pénibles là-bas. Pas de ligne de vue. Là, on va tout casser. Petit coup de marteau. Allez, on l'utilise pas souvent. Ça fait plaisir. Ah, combien il a de poison? 28. Ok, on augmente de 8 le poison que... quand il nous tape dessus. Alors, on va se mettre là. Double taquet là. Simple taquet là. On joue beaucoup au marteau là, hein, mine de rien. Et on va se mettre là-bas. Et là, on va faire le chain lightning. Allez, c'est parti. Donc là, si c'est basé sur les kills, on le saura vite, hein. Parce que 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ça va vite apporter beaucoup de points. Plus 7.
Plus 8. Vous voyez, si c'est vraiment exponentiel, enfin, grandissant comme ça, ça va rapporter gavé hein, à la fin. Plus 10. Ok, on peut même revenir. Prendre une flèche. Là, on est bon. Là, on est bon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave, hein. On veut qu'ils détruisent la pierre, mais... Enfin, je préférerais que ça dure le plus longtemps possible quand même. Mais il... on voyait bien qu'il préparait son mouvement pour... C'est des feinteurs, les... Ces saletés de volant, là. Alors, là, ça colle pas vraiment pour une bonne propagation. Quand même faire genre là hein. Ça coûte 3 mana hein, alors attention 32, on peut descendre jusqu'à 20, bah pile poil. Ouais, ça fait ça et puis ok, c'est forcément un one shot ça aussi, ça encore plus parce qu'on a le 15% d'isolé. Faudrait pouvoir achever. Enfin, faudrait pouvoir être sûr d'achever. Il y a 12% d'esquive. Hein. Là, par contre, on va rater. Clairement. Je vais être sûr de pouvoir l'abattre. Le couteau, le couteau. Sur un isolé. Et là, j'ai quoi? J'ai un point d'action. Ça tuera pas. J'ai combien d'armure? 10-10. Non, on va pas prendre de coups. On va se planquer. Et lui, on lui a baissé son mouvement, mais pas assez. Ah, dommage. L'archer. J'hésite à revenir pour tuer l'autre, hein, parce que là on n'a pas beaucoup d'ennemis à tuer finalement. Ok, alors. Pas de ligne de vue. On peut les voir sur cette diagonale. Si je m'avance derrière la tour. Sinon, faut que je sorte devant, mais je pourrais plus re-rentrer, donc faut que je tue tout le monde. Ça a l'air dangereux cette histoire. Dépendra un peu de ce tir. Si je me mets là, je peux plus le toucher. Hein. Si je me décale, je peux la tirer dessus. Ok. Je peux faire un rayon désintégrateur, mais là je perds tout mon mouvement, donc non, ça vaudrait pas le coup. On va aller voir la porte, si je, déjà je peux pas la retirer dessus. Non. Ouais. Bon. Après tout, on a 0 de garde, 20 points de vie. Il peut pas m'atteindre. Il peut pas m'atteindre. Et normalement c'est bon. Hein. Il y a un rapide qui est venu. Et il a pas tiré sur le rapide, évidemment. Cette con de baliste. Du coup, on a pris des dégâts. Et on a pris une flèche en plus. Ok, ok. On s'est fait blesser de trop. Parce que elle, elle a des bonus quand elle est pas endommagée du tout. Hein. Mais on a dû aller les chercher. Vous voyez, on a dû prendre des risques hein, finalement. Celui qui reste.
Et ça sera tout. Ouais, j'avais même pas gardé une action pour un peu d'armure, c'est dommage. Où il est mon guerrier? Il est là-bas. Ok. Je peux pas vraiment faire un chain lightning. Je peux faire une belle boule de feu, cela dit. Ça coûte 2 et on arrive à 32. Non, on est déjà full. Ok, on fait plus de mana. Pas plus de... On dépense plus de mana si on peut. Et là-bas. Joli. Plutôt propre, hein. Alors ici, on va gagner 6, hein. On peut descendre à 13, on peut dépenser 2 mana. Bon, bah allez, c'est réglé. Pff, c'est tellement abusé, cette attaque. Ah bah oui, dépensons l'autre aussi, hein. Et puis on va doubler, tiens, ok. De toute façon, ils sont morts du poison, hein, logiquement. On blinde. On blinde. Deux points d'action. Il te reste 2 points d'action, toi. Ouais, mais on veut pas dépenser de mana. Et un affaiblissement, bon, yeah, c'est pas utile. C'est pas le bon qu'il a tué encore une fois. On va faire une fortification. Ok, bon bah je crois que c'est la fin là. Il reste plus de 4 ennemis. Et c'était un joli critique. Ça c'était pas un critique. Ça va qu'elle tire à distance, elle ne peut pas être trop sale. Paf. Paf. Ok, les défenses sont bien. C'était juste, mais non. C'était large. Et elle n'a pas passé de level. Je vous l'avais dit qu'il lui fallait un petit boost d'XP. Mais en lui remettant un boost d'XP, elle pourrait passer de level d'un coup à un moment donné. Vérifier, exécuter les monstres, récolte leur essence impure, c'est aussi simple que ça. Je sais pas, ça a pas l'air d'être un par un. Hein. 1267, c'est peut-être ce que je vous ai dit. Hein. Ça se trouve, faire des énormes enchaînements, ça vous donne des tonnes et des tonnes d'ombre. Hein. Parce que c'est bien écrit plus quelque chose. Oh là là, ça va me forcer de réfléchir. Alors, on récolte l'or. Les matériaux, alors les matériaux 35, l'or... Ok, un bouclier, une défense. C'est quoi? 6 mana, 4 de précision, résistance, esquive. Ok. Pff, armure pourrie. 19 d'armure, 4 de précision sur un bijou. Ok, faut comparer avec tout le monde. Thorsten, il a quoi? 15 de puissance critique, 10 d'armure, moins 2 de régène. À la limite, ça pourrait être intéressant de lui mettre. Ce qui m'embête, c'est qu'on perde un peu de dégâts critiques. Noëlla, puissance critique, précision, réduction de résistance. Elle peut en porter 2, hein. C'est pas elle la bijoutière. On pourrait lui mettre quoi qu'il arrive en plus, mais bon, c'est pas fou. Ok, sur un archer, si, c'est pas mal en fait, précision. Et Carlotta, ah non, c'est elle qui peut en porter 2, dégâts magiques isolés. Et on lui mettrait de la précision et de l'armure. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup d'armure, elle a 10 d'armure, hein. Ouais, bon, bah allez. Bon, ça. Alors, en objet, arbalète. On a vu que c'était sympa l'arbalète, mais très dur à utiliser finalement à cause de la ligne de feu qui est droite par rapport au perso. Donc en fait, ça te demande énormément de mouvement pour te mettre sur la bonne ligne en fait. Ou alors, faut anticiper comme un fou. 2 de mana quotidien, 1 de mouvement. Et là, marteau en argent plus 4.
Oh my god. Plus 4, j'ai jamais vu, hein. Donc ça veut dire qu'il fait ouais, 146, 169 de dégâts. Opportuniste. Moins 5 de précision. Il est encore moins précis que les autres. Mais il tape comme une mule. Sur les gros monstres, ça serait cool, ça, hein. Sur les gros gros monstres. Bien gras. Vous savez, les grosses mules, les gros trucs qu'encaissent comme pas possible. Ouais, on est obligé, hein. 37 PO, même à la revente. C'est niveau 4. On est obligé de prendre ça, hein. Alors. Hop, on va partir des points, vite fait. Je termine montée. Alors, ouais, non, mais en fait, on va pas débloquer des trucs. Plus de bâtons, plus de lances. On va juste continuer à engranger dans le refuge fortuné. Et on va faire les level up qui ont réussi à passer. Alors, Thorsten, notre combattant. Dégâts physiques. Il n'y a aucun doute. Chance d'étourdissement, bah on n'en a pas besoin, même si on a un bon marteau et qu'on va avoir un meilleur marteau. Ça va taper sec avec ça. Parce que là, même des effets de zone vont faire super mal en vrai. Alors, armure, précision. Critique puissance, 10 d'armure. Moins 2 de régène mana quotidienne. Je pourrais lui virer son truc, hein. Le 19 d'armure en plus serait utile sur lui. Le 4 de précision serait pas nul aussi pour réduire l'esquive. Ouais, allez. Mais l'autre, je vais pas le mettre sur le mage, hein. Moins 2 de régène mana, ça m'embête. À moins qu'il ait vraiment beaucoup. Il a 12. Ça ferait 10 quand même de régène mana, hein. Ah oui, mais il a déjà 2 trucs. Ah oui, mais non, il a de la regen mana et de la mana. Pour gagner quoi? De l'armure et de la cri. Pff, on s'en fout. On va vendre les deux trucs là. Ok, revenons sur toi. On était en plein leveling. Donc isolé, c'est sympa. Hein, mais pas pour le marteau en fait, parce qu'on se jette en plein milieu de la mêlée. Donc ils sont pas isolés les mobs. Précision, ça pourrait être cool. Alors actuellement, on a moins 5 de précision dû à notre équipement. Donc oui, c'est pas mal de compenser ces marteaux tout dégueulasses, la gana. Et on l'a pas souvent, la précision, hein, sur les combattants de corps à corps. Alors, vampire pour régénérer de la vie, on prend pas beaucoup de dégâts. Hein. On va dire que non, pour une fois. Mettre des armures pour pas perdre des points de mouvement. Ouais, allez. L'armure, on vit dedans. Comme ça, on pourra bouger plus et taper plus de mobs. C'est très bien. Carlotta. Résistance 8. On est à moins 4, ça ferait passer à plus. Dégâts magiques. Oh là là. Oh là là. Oh, je prends ça. On passe à 30. Fiabilité. Régène mana quotidienne. 4 points de plus. Ça va me donner envie de mettre l'autre objet, hein, et virer la régène mana là. Hein. Parce que si on régène de fou. Fiabilité, c'est bien, ça augmente les dégâts minimum. C'est vrai que là, il y a une grosse plage de dégâts. Hein. Vous voyez, 65-101. Il y a 40 points de marge entre un dégât minimum et un dégât max. C'est ça qu'on réduit avec la fiabilité. C'est quand même du dégât en plus. Hein. En gros, c'est ta moyenne qui augmente. Hein. Donc ça fait plus de dégâts en général. Ouais, je vais quand même prendre ça. C'est trop fort. 20 points surtout. Hein. Du coup, j'hésite avec Pinailleur ou Témérité. Hein. Quand on est full vie, plus 50 de fiabilité. C'est quand même cool pour les casters. J'aurais pu prendre Patience ou Carburant Magique comme je fais d'habitude. Ça aurait fait 16 points de dégâts supplémentaires sur chaque attaque. Au lieu de 65, ça aurait fait 60-81. C'est pas mal aussi, hein, le Carburant. Mais ça baisse au fur et à mesure des combats. On le prendra en second, je pense. Ok, c'est pas mal. Du coup, on a pris la régène mana? Non, on n'a pas pris la régène mana. On a pris quoi?
On a pris l'autre truc, ouais. Ok. Bon, bah, on change pas les bijoux alors. Alors, hop, on zoome. La mine d'or. On peut faire passer le rendement de la production à 55. Oui. Comme ça, on a 55 quand on clique. Et on va cliquer deux fois. Et on va payer 100. Une fois de plus. Ok. Prochain tour, on va être bombardé d'or. Hein. Parce que là, on est max sur la mine d'or et on va pouvoir envoyer 3 ouvriers qui vont nous donner 155 chacun. Plus la mine elle-même qui va nous donner 20 de production, c'est-à-dire 110 déjà de base. Donc cette mine d'or là, c'est vraiment une mine d'or. Ici, utilisation par phase. On peut augmenter la production à 20. Alors la production, l'augmenter à 20, c'est juste augmenter ça. Hein. Donc on gagne toujours que 35 par truc. Donc on gagnerait 70. Mais il faut aussi qu'on achète des bâtiments. Donc, est-ce qu'il nous faudrait pas plus d'ouvriers? Toujours la même question. Pour 55, on a un ouvrier supplémentaire. Des soins, des trucs comme ça pourrait être bien. Ça, on va le démolir. On va construire des bâtiments là. On peut détruire des trucs aussi avec nos ouvriers. Ce qui serait pas mal, genre. Ce puits. Alors, 18 matériaux et 3 or ou 7 or, 7 matériaux. Vous voyez, moi j'utilise toujours le premier pour avoir l'or. Mais en vrai, sur avec 18 matériaux, c'est quand même des tourelles, des trucs comme ça. Hein. Ok. Le truc de vie ou pas pour soigner? Si on le remet pas full life. Et il va pas régénérer lui, hein. Ça va être compliqué à terme, parce qu'il perd de la fiabilité. Magie, archerie, forgeron, il y a ça aussi, hein, qui travaille tout seul chaque tour. Hein. Qu'est-ce qui nous manque? On vient d'avoir un gros marteau, on a une énorme arme là, on a un très bon arc. En fait, les armes, pour le moment, je suis pas sûr qu'on ait besoin de quoi que ce soit. Hein. Limite, on préférerait avoir un deuxième. Deuxième truc comme ça. Hein. On peut améliorer la boutique aussi. Parce que la boutique, elle nous propose quoi? Ouais, des objets de merde à chaque fois. Hein. 5 d'inertie, plus 1 de mouvement, plus 15% de dégâts de propagation, moins 1 de portée de compétence. Mais plus 1 de mouvement. C'est fort ça pour le caster. Oh ouais, c'est terrible. 15% de dégâts de propagation, j'ai jamais vu autant. Après, baguette du compagnon. Baguette. Dague. Ouais, on pourrait améliorer ce truc. J'hésite à le prendre ça, le 1 de mouvement, 15 dégâts de propagation, moins 1. Je verrai le machin qui nous donne de la mana. Je vais le prendre, c'est pas cher. Donc on le remplacera probablement assez vite, mais pour le moment, je pense que c'est quand même sacrément fort, hein. Parce que plus un de mouvement, ça compense la portée qui va baisser. Les dégâts de propagation. On est à... Ah, on peut pas monter au-dessus. Ok. Alors, un truc que je viens de voir quand même. Multiplicateur appliqué aux dégâts de chaque rebond de l'effet compétence propagation. Ça veut dire que là, techniquement, quand un truc, par exemple, si c'est 90, le premier qui fait, je dirons 100 de dégâts, le deuxième fait 90, mais est-ce que le troisième fait pas 80 du coup? 10% de moins, ou 81. Vous voyez? Et que ça se réduise au fur et à mesure. Alors que là, 100%, bah parce que ça peut pas se réduire, parce que ça fait 100% du premier, au second, au troisième, au quatrième, etc. Par contre, ça monte pas, ça ne va pas au-dessus. Mais je pense que là, on fait full dégâts sur tout, hein, donc... On verra. On verra si c'est bien pété comme ça a l'air d'être pété. Et puis la régène mana, bah, ça aurait été bien de le mettre à un autre, mais... Pas au détriment d'un des leurs, hein, donc non. Bon, on peut même le vendre, il est pas...
Bah, irremplaçable, on va dire. Potion d'invisibilité, potion de mana, potion de vie. Non, c'est bon. Rien d'autre dans la boutique. Franchement, j'ai bien envie de l'augmenter, du coup. Ou d'acheter un bâtiment. Ouais, allez, achetons un bâtiment. Alors, on va se prendre... le temple. Parce qu'on en aura forcément besoin à un moment donné. Et on va juste... soigner avec un de nos... ou alors j'achète l'offrande, c'est 40 points de vie. Ouais. Ça fait un soin gratuit, j'ai pas besoin d'utiliser mes gars dedans, on n'a pas besoin de plus de toute façon. Ça a dépensé un peu d'or, mais du coup on récupère deux péons pour faire une démolition rapide. Hop. Ce qui nous fait de la mare un peu de place à l'endroit où on va attaquer. Alors, comment qu'on fait? 63, on peut construire un autre bâtiment, on peut construire le puits de mana par exemple. C'est dommage de ne pas l'avoir détruit celui-là. Pour le mettre à l'intérieur là. Mais bon, on peut le mettre aussi ici. On pourrait faire une baraque ici, je pense. Je suis pas sûr. Ou alors je le mets à un endroit où il gênera pas tant que ça, genre là. Là ça gêne pas, mais j'aimerais bien mettre des gros bâtiments. Là-bas ça va gêner. Quoique, est-ce que ça va gêner tant que ça si je le mets là? Dans l'angle, c'est pas là qu'attaquent les mobs, hein. Enfin pas trop. Ouais, mais si on met un bâtiment trop près et qu'il tape le bâtiment, ça fait de la peur, hein. Donc ils peuvent être là, traverser jusqu'au bâtiment, et s'ils tapent, la peur... elle est engrangée, alors que d'habitude ils rentrent à l'intérieur de la cité et ensuite ils engrangent de la peur s'ils atteignent un bâtiment. Donc ouais. Oh, je vais le mettre là. Hein. Hop, et bah, on va rien faire de plus, on a 8 d'or. On n'a rien à vendre. Et on a 255 points pour la défense. La catapulte, j'ai encore oublié, c'est ça? Alors qu'on se fait taper nos murs en plus. Je vais en mettre une là-haut d'ailleurs. Comme ça, ça me forcera à les jouer. Je vais la mettre là. Je vais carrément la mettre... là, ça tirera en diagonale. Je suis sûr qu'on trouvera toujours des angles. Mais sur les deux, côtés. Et... Bon. Elle est cachée. Elle est cachée, notre catapulte. Ok. Alors là, ils vont arriver très tôt, hein, donc je vais quand même mettre un petit peu de défense de piège. Même s'ils vont vite disparaître, je pense. Mais ça coûte pas cher, et je pense que c'est vraiment rentable. On va améliorer les défenses là. Et ça sera tout. Alors, le guerrier, hop, tout seul là-haut, avec ses pièges. Le caster, on va le mettre en bas. Cette fois, on va bien le laisser en bas. Et l'archer, on va le mettre au 2. Hop. Ici, pour qu'il tire en diagonale et tout. Ok. Prochain tour, si jamais on fait beaucoup, beaucoup d'or, on fera la taverne pour acheter recruter un gars. On n'a plus de paysans. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a plus de paysans, on n'a plus de trucs. C'est parti. Ah, on n'a pas fait la défense spéciale ici avec les barricades. Ouais, j'y ai pas pensé. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui attaquent de ce côté, je suis un peu déçu, parce que le Chain Lightning va pas valoir le coup. Et on peut pas faire un bel enchaînement. Alors, l'autre option, c'est de carrément les laisser juste tous les endommager et essayer de faire un gros enchaînement le tour d'après, quoi. Au lieu d'essayer d'en tuer un max, enfin, de tempérer comme ça. Juste
pour faire des points. Je vais me mettre là en fait. Ok. Et de ce côté, bah l'archer, on en a pas besoin de l'autre côté. Il y a beaucoup trop de monde ici. Je suis sûr qu'on peut tout one shot là. Ah, presque. Ok. L'isoler là. Hop. Ouais, pareil, l'archer, il en tue quand même des bonnes bennes. Peut-être un de ces quatre lui mettre un truc. Genre récolter des essences. Donc, double taquet, maintenant il doit faire super trop mal. Vous voyez, ça touche même pas nos armes. Est-ce qu'on a besoin d'aller si près? On a la super dague avec des attaques complètement fumées. Un point de mana, on en a 19, on en récupère 8. Ouais, bon, y a plus moyen de jouer l'économe. Hein. C'est vraiment trop broken. Alors, hop. Deux points d'action, c'est qui? Ah, pas toi. Ouais, ça nous a coûté 10, hein. Franchement. Sachant que ça prépare le terrain à une combo chain lightning pour achever ou... Oh! Ok, non, par contre, il m'énerve un petit peu, là. Une catapulte. Voilà. Ah ouais, ça tire pas si loin que ça. Ça va casser mon décor. Ok, c'était un peu excessif. Et là-bas... Oh là là. Ouais, ok. Je sais pas comment on va perdre cette partie. Maintenant qu'on a des trucs de vœux. On va bien réussir, hein. Si, y a des combos horribles hein, quand même chez les ennemis. Ok, ça c'est fait. Petite boule de feu. Ouais, là. Faut que je me calme avec la mana et lui. Combien 29, 22, ça va, on a de la marge. Il reste 2 points d'action. Putain, tuer les deux. Plus 9. C'est plus 10. Faudrait que j'essaye d'aller plus haut. Ok. Alors, ici. Mon copain à la dague. On y va. Ils sont morts. Et puis là, on va passer dans les rangs. Là, je fais au couteau. Les blessés. Comme quand on passe avec une miséricorde dans les rangs des ennemis tombés. Pour les achever. Hop. L'archer n'a pas encore agi. Oh là là. 374. Il lui a mis. Alors, tu vas bien mourir, toi. 30, oui, elle est morte. 36, non, il est pas mort, lui. Du coup, peut-être pas lui, aussi. 35, 32, si, il est mort. Ok, on va voir là. C'est qui reste 3 points d'action. Ah, l'archer. Ah, bah oui. Ça peut passer. J'espère que ça va faire un truc pourri. Ok, c'est pas mal.
On va profiter du bonus isolé. Et on arrivera à 11 si on le one-shot. 123, 137. On peut pas le one-shot. Enfin, pas avec cette attaque-là. Et on n'a pas de 2 points d'action pour le multi. Et là, on ferait combien? 113, 122. Ben, on le one-shot pas non plus. 113, 122 et l'autre? 113, 122. Ah ouais, on fait quand même moins avec la baguette. Oui, bon. Ouais, ça joue pas de beaucoup, mais ouais. Si je reste à portée, il va me tirer dessus, mais j'ai 10 et 10. Oh, il risque de me faire des dégâts quand même. 9, 12. Ah non, 9, 12 à l'arc. Oh là là. Ridicule. Utiliser un point de mana là. Alors là, ça pique, hein, parce que le marteau fait super mal en vrai. Alors lui est empoisonné, 28. Et il a 43, ça le tuera pas. Ouais, le poison qu'on donne quand on se fait frapper, il est pas très fort. Hein. Et en général, les mobs sont morts juste après. On va retaper là. Dans la mêlée pour bloquer lui. Si tu es des trucs avec l'archer. Il n'y a rien en face. Hein. Ok. Je vais se débarrasser de ça avant. Ça, on est sûr. J'aurais pu me mettre là, je pense, pour tirer, mais. Il y a du stun, donc pas besoin de s'embêter trop. Oh, attention qu'il prenne pas trop de dégâts lui, parce qu'il perd tout dès qu'il prend des dégâts. Ok. Là-bas, il m'embête, hein. Prenons la dague, faisons un peu de violence. Et on blinde, même si on n'a pas besoin. On achève. Trente-cinq de poison, elle est morte, mais du coup je vais pas pouvoir isoler l'archer, bah autant s'acharner, pas besoin de l'isoler, on a crit. Pas besoin de crit. Merde, j'ai raté, c'était l'archer que je visais. Bon, bon, on va utiliser un peu de mana. Treize, attention hein, j'en ai pas tant que ça de la mana. Et puis on blinde deux fois. C'est combien? C'est 25 d'armure. Alors quand on n'a pas beaucoup d'armure, c'est justement bien de pouvoir mettre 2 fois 25, c'est direct des points de vie. Mais il y a l'autre armure qui est mieux, 5 gardes, mais 5 gardes tu prends toujours des dégâts quand même. Hein. Alors, il y a du monde. On y va. Tout a explosé en un tir. Ok. Faut qu'il se détende celui-là. Reste calme. Du coup, lui nous rapporte 9 et celui-là nous rapporte 10. Ça devrait. Ah, on l'a raté. Eh ben, tant mieux. Ça me permet d'utiliser des tirs comme ça. Il n'y en a pas un qui s'était infiltré, non hein. On n'a pas de tir. Hein. Ouais, du coup ils doivent être doublement empoisonnés. Just. Poison 28-1. Ah non mais c'est que un tour.
Ouais, donc ils reprennent le poison d'un au moment où... Ok. Oui. Ça pouvait pas être 3 tours de toute façon, c'est logique, hein. Lui est mort du coup. 28, 24, ouais. On va aller là. Elle est morte aussi. Et du coup, check. Ils sont morts tous les deux. On va pas s'en occuper. On va venir s'occuper de ceux-là. Pas besoin d'utiliser de mana là, on va juste tirer sur ce qui esquive. Je les entame pour que l'autre puisse les tuer tranquillement. Je vais pas utiliser le chain. Parce qu'on est à 26, on a déjà 3 manas de trop. Voilà, les archers sont down. Ouais, faisons ça d'abord. Joli. Termine à la baguette, lui. Et on l'endommage suffisamment pour qu'il aille pas jusqu'au mur. Avec moins 2 de mouvement, il ira nulle part. Et lui, ah, lui, il atteint le mur par contre. Ah bah mince. Je vais pas me mettre devant. J'ai 66, 70 d'armure. Hein. Mais c'est un coup de griffe qui va nous mettre 33-41, donc 82. Si jamais c'est sur le. Ouais, il pourrait nous mettre un tout petit peu de dégâts. Hein. On a combien de régène vie avec elle? 10. Je peux me mettre juste sur le côté comme ça. Ça, il tapera forcément sur moi en priorité. Allez, on y croit. Il fait moins 40% de dégâts. Et il m'a quand même fait 99. Enfin, il m'a mis à 99, il m'a fait ouais, beaucoup plus. Ok. On a pris un peu trop sur le coup. On a pris combien? On a pris 28 de dégâts. Et Thorsten qui passe pas de level. Magnifique. Alors, par contre, la ville. On n'a jamais été aussi. Aussi bien défendu, hein, je crois. Les points, ok. On va un peu mieux faire. Bim. Plein d'or, plein de cadeaux.